Je voudrais vous faire partager un témoignage puissant, puissant, et je voudrais rendre gloire à Dieu. J'ai un cousin qui a un travail très très dur. Il est beaucoup sur le terrain. Et il a une petite fille avec laquelle il a eu avec une comorienne. Et lui, il est donc comorienne musulmane. Et lui, il est un catholique fervent, il ne rate aucune séance d'église. Mais malheureusement, la séparation de ce couple, même s'ils n'étaient pas mariés, va poser des problèmes au niveau religion. Lui, il est catholique, elle, elle est musulmane. Là où les problèmes vont commencer, c'est quand la petite fille va demander à ce que, que son papa la garde. « Je veux rester avec toi, papa. » Donc, ce qui va se passer, c'est que le papa va faire les démarches administratives pour garder l'enfant. Et les problèmes vont commencer ici de manière très grave. Au point où la maman va sacrifier un bœuf, va faire couler du sang, énormément de sang, pour tuer ce fameux papa qui veut la garde. Donc, il le saura comment ? Parce que, comme il va souvent à l'église, et son prêtre, c'est un exorciste voyant, je pense, qui lui a dit « Attention, j'ai vu l'autre jour derrière toi un bœuf. » Effectivement, cette période-là, il n'était pas bien, il était très fatigué. Et quand il a eu la confirmation de cet acte diabolique, de sorcellerie, je lui ai dit, il était pas bien du tout. Je lui ai dit, je vais te présenter à mon prophète, un prophète, le prophète Léonel, mon prophète que j'aime beaucoup, et que il va prier pour toi. C'est un homme de Dieu, il va prier pour toi, et peut-être même il va te dire ce qu'il en est de cette histoire qui part vraiment à volo, qui est très grave. Ils vont prier ensemble et le prêtre va lui dire, le prophète Léonel, excusez-moi, va lui dire, c'est bon, votre petite est protégée, allez en paix, ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien, le Seigneur est avec elle. Donc ça va apaiser le papa. Puis le papa va partir après cette prière, il m'appelle. Et il me dit, me suis presque arrêtée sur la route parce que je suis pas bien. Après la prière, je me sens vidée, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je lui dis, ah bon? J'envoie un petit message au prophète Léonel. Il me dit, c'est normal. Après une prière comme ça, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit travaille et ça, voilà, ça tombe sur nous, quoi. Donc je le rassure en lui disant, t'inquiète pas, c'est normal. Le Saint-Esprit fait son travail. Donc la petite fille va nous dire après ça, maman m'envoie en vacances, pendant la période de vacances, une semaine à Mayotte. Donc son papa, il n'est pas rassuré. Qu'est-ce que tu vas faire à Mayotte? Ben je sais pas, je vais à Mayotte mais je ne sais pas. Donc entre temps, la maman, avant de partir à Mayotte, avant de prendre l'avion, le samedi matin exactement, elle va prendre l'enfant, elle va l'emmener, donc la petite va tout nous raconter à son retour de congé de vacances. Et donc, elle nous raconte qu'avant de partir, le samedi matin exactement, sa maman va l'emmener quelque part, dans un endroit lugubre, sale, où on va prier sur elle, d'une langue qu'elle ne comprend pas, mais elle comprendra qu'on a donné le nom de son papa et qu'on a donné mon prénom. Parce que c'est moi qui garde cet enfant, donc je suis aussi comme une personne à tuer, à persécuter. Donc on va donner mon prénom et elle va nous dire qu'elle entend, par contre, elle entend le monsieur dire, elle reconnaît le monsieur dire Jésus et que ce monsieur va injurier Jésus et invoquer mon nom et mon prénom et celui de son père. Voilà. Le lendemain, donc nous sommes dimanche, elle prend l'enfant et elle amène à l'aéroport pour qu'il parte soi-disant à Mayotte. Mais c'était un mensonge parce qu'arrivée au comptoir de l'aéroport, la petite ne pourra pas voyager parce qu'elle va nous raconter
que le voyage n'a pas pu être fait parce qu'on lui a demandé un vaccin qu'elle n'avait pas. Et nous supposons que c'est un vaccin qu'on met pour l'Afrique, donc les îles du Comore. Donc elle a menti, elle a fait croire qu'elle allait à Mayotte, or que c'était aux Comores. Et un papier, je pense, qui autorise l'enfant, que le papa autorise l'enfant à partir. Donc elle n'avait pas ces deux éléments. L'avion a bloqué le départ de l'enfant. Donc la petite n'a pas pu aller comme convenu aux Comores pour qu'ils font de la sorcellerie sur elle. Étant donné que le papa n'est pas mort, vu que c'était leur vœu, il a été protégé. Donc ils envoient l'enfant maintenant pour faire directement le travail sur elle. Mais Dieu n'a pas permis. La prière a été exaucée. Et je remercie le Seigneur, je remercie mon Dieu et je remercie le Tout-Puissant, notre Dieu. Merci, merci pour ta prière, prophète.